Hey, comment vous espérez nous bien? Je dis à moi, content de retrouver nous dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo aujourd'hui, je vais porter pour nous une vidéo parce que nous apprenons en pile quelques conseils pour nous capables de paraître plus haut si toutefois nous c'est monde qui coûte. Conseil ça est très important. Prends yo, écris en côté, essaye yo et puis n'a bonne réponse parce que gamin les moule au croisé avec oh, on pas sont plus haut que ça. Oh, ou t'es plus pas plus haut. C'est parce que moi j'ai des petits bagages que moi fais pas capable paraître plus haut. Moi mesurer 1m62, 60, 64, ben, ça dépend de qui machine qui prend mesure. En tout cas, mesure 1m60 et quelque chose. Donc, je suis un monde qui n'est pas super haut, mais non plus, je ne suis pas à coûte. Je suis juste un haut normal par rapport à la majorité des pays d'Amérique. Mais moi, c'est un monde qui remet wow, moi remet pour me dire en pile 1m80, 1m90, je suis content si je suis 1m90. Donc, moi, toujours senti que je suis confortable avec hauteur. Premier bar, moi, toujours fait, moi, toujours utiliser tennis qui wow. Moun qui invente tennis wow, yo, moi, remet. Si pas invente bagage ça, moi, t'as pas inventé. Mesdames, tennis qui wow, c'est la vie. Le tennis là wow, les bonnes sensations que pi wow, ou sentou pi élégant, ou sentou comme quoi ou grandit quelques centimètres. Alors que le tennis là plate, quoi tu forme tennis plate, complètement plate, moi pas remet yo, moi pas supporter yo parce que moi pas remet le tennis là plate. Plus les grands talons et plus moi remet. Et deuxième conseil moi pour nous, c'est utiliser rad qui ont tige collé sous nous. Ça va dépendre de tout si ou pas gagne gros boule graisse parce que nous connaissons. Nous manger nous gros graisse dans corps nous et par exemple moi même l'aime pas gagne période moi période ça moi enflé moi grand pile graisse moi grand pile rétention de liquide alors et pas graisse non pardon donc ça vient faire que mon tige pas à l'aise parce que me sentir gros les conseils ça me fait moi mettre un bagage qui gros en l'air qui pas trop collé sous comme et puis en bas moi mettre un bagage qui vraiment pesé qui vraiment collé sous moi en l'air et puis moi toujours battre pour me mettre ça m'a mettre en bas arriver taille haute donc plus bagage la taille haute et puis plus il arrive plus bas c'est plus une impression pied mon dans longue plus pied mon dans longue c'est plus il paraît trop alors que si vous mettez des bagages qui rad qui arrive juste là haut et puis vous mettez alors si vous mettez un top on va en l'air qui arrive juste là haut juste sous derrière par exemple et vous mettez un pantalon qui juste dans ceinture il faut paraître plus coûte parce que côté moun en ouais ceinture commencer côté pantalon commencer arrive en bas OK troisième conseil pour nous c'est utiliser ceinture qui petit moi je l'aime t'es petit l'aime t'es adolescent parents me toujours bonne série de grosse ceinture à l'époque moi c'est pas ça t'as la mode imagine moi même qui gagne de gros sein et ben gros ça t'était me parce que là moi réduit na yo j'étais 10 fois plus gros moi même avec de super gros seins et ben de gros seins campés comme ça non parce que là moi pas mettre soutien t'étais me camper de gros seins l'aime la gueule qui rivait sous l'ombrit moi et puis bonne de gros ceinture on ay me dès qu'on souffrit ça en pile moi pas te connais pour qui ça mais moi fini par remarquer c'est parce que plus on mettait ceinture qui petit c'est plus taille ou paraît plus fin ou paraît plus longue. Donc imagine on met ton pantalon taille haute ou met ton ceinturon ou paraît vraiment plus grande parce que ceinture paraît plus grand alors que si on met un gros ceinturon il fait que comme s'il valait ceinture il après commencer exactement côté ceinturon finir donc ou gon quelques centimètres qui perdu dans en bas ceinturon qui tellement gros. Troisième point c'est éviter tout accessoire qui gros moi connais nous même dans Caraïbes nous même des gros anneaux gros chaînes tout bagage qui gros c'est nous même mettez mais là au monde qui coûte les mieux vous mettez des petits chaînes coûte ou mettez des petits anneaux qui coûte pour éviter que paraît trop bonbon flé plus vous mettez gros chaînes qui longue et plus vous paraît coûte alors que vous mettez des t-shirts fins ou mettez des pantalons longs des tennis ou bien sandales à haut talon ou paraît nettement plus grande. Moi dis nous mettez tennis haut, moi pas dis nous mettez sandales haut parce que tennis royo c'est un coup sous tape marcher pied à terre, yo réellement confortable. Pour ça son point qui très important parce que gen moun ki coûte yo pense c'est seulement mettez de gros talons plus soit utiliser gros talons et plus soit finir avec ceinture, li pas bon pour. Par contre tennis à haut talon yo complètement adapté pour n'importe monde capable utiliser yo sans pas gagner problème d'eau après. Quatrième conseil, essayez d'éviter toute rad qui afflé. Plus soit utiliser rad afflé, c'est gros afflé alors. Et plus soit paraître qu'on coûte. Donc si vous voulez utiliser un bas afflé à KO, essayez d'utiliser afflé à bas à KO qui réellement petit, des lits qui petit, des afflés qui petit, pour pas paraître trop coûte. Cinquième conseil pour nous, c'est utiliser rad qui transparent. Tant que style ça là, plus rad la transparence, c'est plus soit bien sensation que mon en paraît plus haut. Parce que l'équité ouais comme on a. Je dis nous marcher tout le temps, ni marcher transparent, mais plus rad la transparent. Et bon, sensation que mon nettement plus
grande que ça que lire. Donc voilà, c'était conseil ça monter pour nous. J'espère que vous avez enjoyé la vidéo. Pas oublier de mettre un like, abonnez-vous pour que j'aime faire ça. N'a pas encore une autre vidéo. Bye, hasta luego. Mouah.